Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour installer la nouvelle version de Quillink. Je parle de Better Quillink. Je sais pas comment vous appelez ça. Moi je l'appelle Better Quillink. Donc tout simplement on va l'installer. Si le tuto te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Maintenant on commence. Vous irez sur cette page, je mettrai le lien en description. Vous allez aller vers en bas, vous allez faire Better Quillinks. Donc moi j'ai juste désinstallé l'ancien bien sûr, puisqu'il me sert de rien en fait. Il me sert à rien maintenant. Donc on va faire supprimer, voilà, comme ça vous l'avez vu en même temps que moi. Maintenant on va installer le nouveau. Voilà. On clique sur Better Quillink. Normalement il va se télécharger. Alors là, comme ça, à vue d'œil, vous vous dites: ah mais il n'y a pas de changement. À part qu'il y a le nom, il s'est modifié en Better Quillink Setup 2.2.5.exe. Alors sachez que moi, j'avais Quillink Setup 2.0.1.exe. Alors voilà, déjà vous avez vu la version 2.0.1.2.5. Donc c'est une nouvelle version et on a des nouveaux paramètres dans cette version. Des paramètres, par exemple le fait de jouer en mobile. On peut maintenant jouer en mobile sur les téléphones, mais il faut faire un paramètre sur PC. Donc voilà, ça marche un peu comme ça. Donc toujours et encore, je ferai un tuto comment faire sur mobile. Moi là, je suis en train de télécharger Better Quillink Setup. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là, le temps que le logiciel s'installe. Voilà, on se retrouve maintenant. Alors c'est bientôt terminé, on va attendre un tout petit peu, une minute, non 30 secondes, même pas 20 secondes. Cette fois c'est Better Quillink et pas Quillink. Voilà. Donc ça sera mieux que Quillink. Et voilà quoi, vous avez compris je pense. Voilà, une seconde, une seconde. Ok. Maintenant on va faire afficher dans le dossier. Parce que moi je fais pas les choses à moitié. Data. Among Us Quillink, là on va faire. Voilà. Là je fais Among Us Quillink. Je fais démarrer. Et là normalement, si je dis bien normalement, il est déjà en train de démarrer. Genre tu peux déjà l'utiliser. Voilà, là il est déjà, là il peut déjà exécuter. Alors ce qui est bien celui-là et pas celui-là d'avant, c'est que si tu vas sur Among Us. Voilà. D'ailleurs, le lien de la vidéo j'installe Quillink chat de proximité sera aussi en description, même si je pense que ça sert à rien de la visionner. Voilà. Là, alors là, tout est normal. Là, c'est comme avant. Maintenant, je vais créer une game.
Ok. Là, pour l'instant, rien d'anormal. Là, tout le monde est d'accord, à part le fait que vous l'aurez peut-être vu, mais il s'est auto-connecté et il s'est auto-connecté plus rapidement. Alors déjà, on sait que ça sera plus rapide et c'est bien sûr pas une pub. Voilà. En plus, au niveau des... Et là, regardez ce qu'on peut faire. On peut faire tac, copier-coller. Bon, ouais, ça sert à rien. Voilà. Là, pour l'instant, rien n'a changé. Sauf que quand je vais sur paramètres, regardez tous les paramètres qu'il y a. Et beaucoup de ces paramètres permettent de faire des fonctionnalités. Par exemple, celui-là peut permettre au mobile de jouer. Mais ça, je ferai un tuto. Donc, en tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère la sortir. Ouais, pas beaucoup de jours pas avant. Parce que là, en fait, je la tourne. En fait, là, aujourd'hui, j'ai tourné masse vidéo. On est le 5 mars 2021, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et il est 19h45. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ailleurs, petit truc, si vous avez la flemme de désinstaller Krillinx et que vous voulez installer Bitter Krillinx, alors, en fait, le truc avec Bitter Krillinx, c'est que tu as des fonctionnalités en plus que Krillinx. Mais je veux dire, par exemple, ça marche. Par exemple, tu peux parler avec un mobile avec Bitter Krillinx et Krillinx. Et tu peux parler avec Bitter Krillinx à Krillinx et tu peux parler à Krillinx avec Bitter Krillinx. En gros, la différence que c'est que ça change pas. Juste que si t'es chef, bon, je vais pas expliquer puisque ça sera dans une autre vidéo. Mais donc, si ce tuto t'a plu, abonne-toi. Like, abonne-toi et partage. Voilà, c'était Redix. À plus.